Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Samedi 12 octobre 2022, bandi exam cap opéré dans Canaan sur route nationale numéro 1, rivé Medife nan youn nan nouveau blindé. La police fait recevoir yo gen backup qui te vin nan prend policier national qui te nan blindé a, mais gros coup de zam qui tap chanté yo te la cause qui a sauté dans zone nan tant kou nan bon repos qui pas trop loin Canaan. C'est lundi 14 novembre 2022 a y a chanté dans l'église catholique romain Saint-Pierre Pétionville enterrement dirigeant politique avec businessman Eric Jean-Baptiste qui était secrétaire général parti politique Rassemblement démocrate national progressiste RDNP. Bodi exam a été assassiné ensemble avec sécurité Peterson Vernius vendredi soir 28 octobre 2022 dans la boule 12. C'est vendredi matin 11 novembre 2022 yo enterrement sécurité Eric Jean-Baptiste Peterson Vernius bandi exam te assassiné ensemble avec. Lundi 14 novembre 2022 a yon convoi ambassade américain non pays d'Haïti cibé attaque exam nan commune Kwa de Bouquet sous route qui sorti dans zone frontière Haïti à République Dominicaine pour entrer Port-au-Prince avec politique gouvernement de facto a mené yo qui chita sous menti à gaspillage l'argent l'état yo pour ça pas nécessaire pays d'Haïti a continué en puis font dans une situation côté tout prio a persisté monter grade division sans garder derrière c'est disons économiste Eddie Laboussière sous Alter Press à Alter Radio. Un individu examen qui tape déchepillé moun dans zone l'église catholique romain Sacré-Cœur dans Port-au-Prince mouri dimanche 13 novembre 2022 dans Boukantay Koudzam avec la police. Toujours dans le chapitre insécurité, samedi 12 octobre 2022, à bandi exam cap opéré dans Canaan sous route nationale numéro 1, rive Medife nan youn nan nouveau blindé. La police fait recevoir yo gen backup qui te vin prend policier national qui te nan blindé a, mais gros coup de zam qui t'a chanté yo, te la cause qui a sauté dans zone nan tant kou nan bon repos qui pas trop loin Canaan. N'a rappelé bandi exam cap opéré dans zone Canaan continue absime la troublaille dans zone nan surtout sur route nationale numéro 1 ça qui la cause yo touyé yo violé et puis yo détourné camion marchandise cap tenter traverser zone ça. Samedi 12 novembre 2022 nan niveau Monde Cabrit pas trop loin commune Kwa de Bouquet la police nationale dit li arrêté yon nan inspecteur Walkin Pierre yo te joine sorti nan commune Belade bas plateau central ak plusieurs armes plus 4000 cartouches calibre 5.56 mm, un pilote cartouche à chargeur, plus plusieurs milliers de goudes, l'agent liquide. Force soldat annoncé sur page Facebook, yo arrivé fait arrestation ça. Nan moment, policier a été dans yon machine Toyota Land Cruiser, type Zurichien. Walkin Pierre te sorti dans la commune Belade pour te entrer dans la capitale là. Nan moment, arrestation là, il te gen nan meni 4000 cartouches calibre 5.56 mm. 41 cartouches calibre 9 mm, 3 chargeurs, 2 pistolets Glock 9 mm, 1 pistolet calibre 9 mm, modèle Glock, 2 téléphones portables avec une somme 934 500 goudes. C'est dans le cadre d'un filati, enquêteur de CPJ, arrivé à arrêter inspecteur divisionnaire Pierre Walkin, Monde Cabrit, dans la nuit de vendredi 12 novembre. L'étape sortie Belade pour rentrer Port-au-Prince avec plusieurs caisses cartouches, divers calibres d'un coup. 5.56 à calibre pistolet 9 mm. Mettez sous ça, enquêtez au jeune dans la machine li, 3 chargés pistolet, un pistolet 9 mm, 2 téléphones avec 934 500 goud. Inspecteur divisionnaire Pierre Walkin, qui sorti dans la deuxième promotion de la police là, affecté dans le palais national, pourquoi il est là, il est dans garde à vie des CPJ sous chef accusation Sayo, trafic illégal cartouche avec association malfectée. Inspecteur divisionnaire longe douette li souyon certain John qui t'a piégé li. Selon ça li dit, li regrette en pile l'engagement li te prend pour transporter cargaison munitions. John non, il m'a demandé service là.
les machines n'ont pas pour prendre un vieux gaz, il va rentrer est-ce qu'il va venir quoi. Qui est-ce que tu dis encore? John. Qui est-ce que John? Propriétaire hôtel là. Qui est hôtel ça? De la DEN. Pourquoi il vaut le bail qui? A porté le bail Johnny dans Delma 31. Delma 31? Oui. Qui boit exactement dans Delma 31? Bah qu'on calme exactement tout le monde, bon moi numéro de téléphone, monsieur l'homme est là pour me relayer. Ben mon gars mis en deux pompiers dans Delma 31. L'homme relayé monsieur dans l'homme dans l'audition, l'homme relayé monsieur. Monsieur dit quoi ça tout devant inspecteur, pas là. Monsieur dit quoi ça? Il pas disons cartouche qui était avec John, c'était un bassin. Pendant l'audition li journée lundi 14 novembre là, inspecteur Pierre Walkin dit qu'il était au courant sur qualité marchandise li côté a. Oui, j'ai dit ça lié. Police nationale là était déterminée pour combattre gros banditisme sous toute forme et a continué à arrêter tout le monde quel que soit rang social yo qui impliqué dans acte malhonnête, surtout si là yo qu'a fait trafic d'armes à cartouche pour alimenter gang yo. Dans le chapitre politique, dans le moment où il a couru sous sanction plusieurs gouvernements étrangers, tu as pris contre gauche à braque dans le gouvernement de facto. Deux ministres, Berto Dorsey, qui était ministre de facto de la justice, et Litz Kittel, qui était ministre de facto intérieur, bail démission yo vendredi 11 novembre 2022, en dedans le gouvernement de facto Ariel Henry. Dans ce sens, c'est ministre qui a communication, Emily Prophète Milse, qui a assuré intérimaire dans la tête ministère de justice et sécurité publique. Lan, pour remplacer M. Berto Dorsey, portefeuille ministère intérieur collectivité territoriale MIC, c'est premier ministre de facto Ariel Henry qui a occupé lui provisoirement. Le chapitre insécurité, un individu à examen qui tape déchappé moun dans zone l'église catholique romaine Sacré-Cœur dans Port-au-Prince mouri dimanche 13 novembre 2022 dans Boukantay Koudzam avec la police. D'après PNH là, action ça a passé dans moment individu ça qui était ensemble avec acolyte li té l'ouvri coup de zam sur une patrouille corps brigade intervention motorisée BIM qui était gétant riposté. Ministère Affaires étrangères pays Canada dit lundi 14 novembre 2022 li prend sanction contre chef fédération gang exam G9 en famille et allié yo Jimmy Cherizier qui bay tête li non barbecue tant qu'ou interdit l'entrée dans pays Canada comme réponse sous climat l'intérêt gang exam yo a simayé sous territoire pays d'Haïti. Après pays États-Unis, ça gagne quelques semaines, pays Canada décide lui-même tout pour lui couper toute l'argent barbecue ta gagne dans pays Canada, interdit le voyager et puis mette embargo sous am Jean résolution 2653 Conseil sécurité Nations Unies a mandé ça. Le chapitre insécurité lundi 14 novembre 2022 yon convoi ambassade américain dans pays d'Haïti cibé attaque exam dans commune Croix des Bouquets sous route qui sorti dans zone frontière Haïti avec République Dominicaine pour entrer Port-au-Prince. Pas aucun membre dans personnel ambassade qui blessé d'après précision yon baye dans une note. Pourtant yon chauffeur haïtien qui était dans une machine commerciale qui était accompagné convoi blessé mais Vili pas en danger. Côté incident passé, a pas de précisé, pas de plus éléments concernant provenance cartouche qui t'est tiré. N'a pas le département d'État américain te promet 7 novembre passé à diverses récompenses qui allaient jusqu'à 3 millions de dollars américains pour toute information qui t'a mené dans l'arrestation ou bien condamnation de nan membre gang en question. Yo, même Jean Akion allié, c'est Wilson Joseph qui gagne non. L'amour sans jour, Germaine Stephenson qui gagne sinon gaspillage avec vite l'homme innocent. Le chapitre insécurité, c'est lundi 14 novembre 2022, il y a chanté dans l'église catholique romaine Saint-Pierre, Pétionville, enterrement dirigeant politique avec businessman Éric Jean-Baptiste, qui était secrétaire général parti politique Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, bandit exam, t'est assassiné ensemble avec sécurité, Peterson Vernius, vendredi soir 28 octobre 2022, dans la boule 12. C'est vendredi matin, 11 novembre 2022, yo te chanté enterrement sécurité Eric Jean-Baptiste là, Peterson Vernius, bandit exam te assassiné en Samavel. An koute yon extrait nan intervention Wadner Edouard, secrétaire général adjoint dans affaires finance nan parti politique RDNP qui dit les plus intéressés à konnen sa k ap soti nan rapport DCPJ ap soti a pou yo konnen ki moun ki touye Eric Jean-Baptiste et pour qui raison. An koute l kapote plus détails. Bonne nouvelle que vous rappelez nous que DCPJ commence à tendre moun et RDNP pourquoi non intéressé à qui est DCPJ a tendre. DCPJ te met vinn tendre nous même comme collaborateur Eric.
pense que si DCPJ vient là pour poser nos questions, nous-mêmes comme monde qui était plus proche de la politique, nous sommes bien contents. Donc, le monde de DCPJ a attendu pour qu'on intéresse nous. Ce qui intéresse nous, c'est le rapport de DCPJ pour aller mettre qui est-ce qui touye Eric et pour qui ça y touye. C'est pas ça qui intéresse nous. Et ça pas dit de ça, nous dans RDNP, nous allons poser les actions nécessaires pour que nous connaissions comment nous mener la bataille en face du groupe Mounsa et la raison pour laquelle nous touye Eric. Donc nous attendons, nous sommes bien contents, nous attendons toute la République, ça pour dire rien pour nous, nous attendons un rapport à même. Le rapport qui intéresse nous. Qu'il s'agisse d'enquête DCPJ, à travers les policiers scientifiques, même si nous avons enquête judiciaire, à travers le commissaire gouvernement, nous attendons un rapport d'enquête. Et ça a été intéressé nous là-dedans. Et RDNP a suivi avec attention. Dossier ça n'a pas gonflé tiroir encore. Nous disons que notre note est sortie depuis le lendemain assassinat là. Nous prenons la bataille pour que ce dernier coup de sang coule dans ces consens dans la société. C'était Wadner Edouard, secrétaire général adjoint dans affaires finances dans le parti politique RDNP. Justice pour papam Eric Jean-Baptiste, Sekoutrel Olivier Eric Jean-Baptiste, petit garçon Eric Jean-Baptiste là, nan enterrement papal lundi 14 novembre 2022 dans l'église catholique romaine Saint-Pierre, Pétionville. C'est dans date vendredi 28 octobre 2022, bandi exam té assassiné businessman ak ancien secrétaire général parti politique Rassemblement démocrate national progressiste RDNP ensemble ak sécurité Peterson Vernius dans la boule 12. N'a pas les responsables yo nan parti politique Rassemblement démocrate national progressiste RDNP té organisé yon cérémonie hommage nan mémoire secrétaire général parti politique RDNP a Eric Jean-Baptiste après nèg exam yo pat privé identifié fin assassiné nan la nuit 28 octobre passé nan la boule 12. An koute yon extrait nan intervention Mirland Hippolyte Maniga kapote plis détail. Moi là moi et je pleure. On ne peut pas avoir d'autres réactions spontanées lorsqu'on apprend un mari comme ça. D'accord? Parce que Eric était un ami personnel avant d'être secrétaire général. Un ami personnel de mon mari, Leslie. Il était vraiment gagné une admiration sans borne pour Leslie. Et là, moi-même, je suis secrétaire général. Il continuait à collaborer avec RDNP. Et ça paraît tout naturel que c'est lui-même qui prend l'héritage là. D'accord? Et depuis 4 ans que la tête RDNP, je ne vais pas dire transformer parti, non. Mais il mettait signe, empreinte sur parti. Et qui empreinte, c'est que Eric était un nationaliste, au monde qui était remé pays, remé drapoli, remé toute bagaille qui est nationale. D'accord? Et c'est ça que je voulais imprégner dans RDNP. C'était un extrait dans l'intervention Mirland Hippolyte Maniga dans la cérémonie hommage ça dans mémoire secrétaire général parti politique RDNPA Eric Jean-Baptiste. Dans le mois de novembre 2022, la situation sécurité a toujours aggravé, redmarré tout partout sur le territoire national, là, et spécialement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. À côté de Goukoudzam, il a fait chanter Tribord Babor, Bandi Aksamyo, continuer à assassiner moun ak bal, déchèpiller moun, simaye, latere, tankou, za kidnapping sans garder derrière yo, sans la police pas arriver faire rien pour kwape yo. Sous initiative collectif média sur internet yo, en pile journaliste manifesté dimanche 13 novembre 2022 à Port-au-Prince ak Delma pour exiger justice pour tout journaliste qui mourit dans mauvaises conditions avec victime Zach la police pendant l'année 2022. Yo mandé spécialement justice pour journaliste Romelson Vilsain, la police t'est assassiné avec une balle en tête dans la cour commissariat police Delma 33 dimanche 30 octobre 2022. An koute yon ambiance comment ça t'est. Mouche ak fam ki nan Utmo, kolektif media an li yo semel. Ap di nou, le nou assassine yon jounalist, se lant nou mette nan plume ki nan men konfrel yo, pou kontinye note Zak Briganday, Louis Jean Bonje nan fe yo. E pi tou, nou katouye yon jounalist, 2 jounalist, 3 jounalist, 4 jounalist, menm 5 jounalist. Jamen, tout jounalist nan peyi d'Ayiti nou pa katouye yo. Tout journaliste dans le pays d'Haïti, nous pas qu'à touyer. Ça qui veut dire, parole vérité a toujours parlé pour partout. Personne ne peut empêcher les journalistes d'exercer le métier libre. Jamais. Jamais, la loi pays a dit ça dans l'article 28-1.
tout autant de nouvelles, journalistes sont toujours là pour informer la population. Nous sommes un groupe professionnel qui a comme ZAM, micro, plume, caméra, photo et vidéo pour décrire, raconter et permettre à chaque acteur dans la société tant qu'il y a un miroir, garder tête, chanlier. Et la police masculine aux militants politiques, les images là jouent le monde, nous tous simplement bali, chanlier. C'est pas nous qui dit la police, fait abus. C'est pas nous qui dit la police, fait masculin sous le monde qui a manifesté, qui a droit. La police met ça dans la tête nous. Nous pas mieux placés pour nous dire qui est ce qui est journaliste dans le pays d'Haïti. Même gens, nous pas mieux placés pour nous questionner tête nous, puisque c'est IGPNH là qui l'a pour connaître qui est ce qui est policier ou pas. Amen, pour journalistes, il y a une institution qui l'a pour ça. Vous connaissez qui est ce qui est journaliste. Les policiers ne peuvent pas décider qui est ce qui journaliste ou pas et tout. Pour finir, nous-mêmes journalistes, qui avons marché aujourd'hui, nous avons mouché à la femme police qui est l'unité départementale, qui l'a pour mettre l'ordre là. Dites-nous. Et l'unité qui va nous pouvoir sur la vie, travailler, la pression. Bien pour les bouts. C'était un bien ça qui t'a gagné dans. Manifestation journaliste a fait sous initiative collective médias sur internet yo semel. Semaine ça sous territoire national la banque yo a travaillé lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022 d'après association professionnelle banque yo APB. APB dit li prend décision ça nan moment côté gaz recommencer à vendre nan pompe yo détant li fait connait banque commerciale yo a travaillé pour voir qui jan yo capable rétablir horaire fonctionnement régulier yo. Nan yon pi bon délai. Plusieurs stations distribution qui recevoient gaz dans zone métropolitaine Port-au-Prince-là déjà commencé vendre gaz nan prix grade division gouvernement de facto a décidé Kembea malgré protestation population en pile pompe nan ville provinciaux pour qu'on recevoir gaz. N'a pas blessé après un conseil ministre qui était fait 13 septembre 2022 à gouvernement de facto Ariel Henry te prend décision pour l'été monter prix gaz là sous marché a. Yon galon gazoline qui tape 250 goud te passé à 570 goud. Yon galon diesel qui tape 353 goud te passé à 670 goud. Et puis yon galon kérosène qui tape 352 goud te passé à 665 goud. N'a pas les décisions ça, te la cause mouvement pays locla pendant plus passé 2 mois. Association propriétaire chauffeur pays d'Haïti yo continue longe douette sous gouvernement de facto a qui décide kembe prix gaz la nan niveau augmentation grade division lité annoncé yo malgré prix barrique gaz la baissé sous marché international la sorti nan niveau $127 américains nan mois septembre 2022 a pour descendre nan niveau $85 américains nan mois novembre 2022 a. An koute syndicaliste change meyu k'ap pote plus détail pour nous. Moment monsieur te monte gaz la baril gaz la te vendre $127. Moment n'a parlé avec vous là, baril gaz a passé à $85, ça veut dire yon baisse de 25%. Et nous gen décret 9/1995 qui dit depuis gaz a monté plus de 5% sur marché international là faut qu'il monte bon la caille. Même décret ça tout, il dit depuis gaz a descend plus de 5%, faut qu'il descende bon la caille. Égal par conséquent, les messieurs ont pris décision pour monter gaz a, baril là qui passé à $127. Moment n'a parlé avec vous là, il y a $85.85, marché à faire le jour là. Et pas oublier, il y a le à $88, je dis à l'autre passé à $85.85. Ça descend, c'est descendre. Et ça, quoi, il est important. Si c'était un bagage vraiment, monsieur, t'as réglé, premier bagage que t'as fait, c'est à courir réviser prix. Si c'est la loi, il t'a pas appliqué vraiment. Parce que la loi dit l'automatique, automatiquement le monter, et ou rafle ou bien, et c'est ça qui vient créer tout problème, moi, qui vient gagner chez Gaza là. Parce que la République voisine, au niveau de ce domaine, son loi qu'on s'a gagné, mais Dominique est habitué avec lui pour qu'il ça Gaza monte, le monte, il descend. Mais pas oublier nous-mêmes aussi, le Gaza descend, ces manifestations, c'est grève pour nous faire. Ou rappelons, on sous tant qu'on a à côté, bah, le Gaza dépassé à Moskévé, nous là, à Bidetate, toujours Kembe là, à même Bouya. Comment population après faire face carré avec Pricous Machinio qui montait tout grade division depuis plusieurs semaines, toujours gen bouche l'ouvri entre passagers et chauffeur camionnette et tap tap yo divers côtés. En côté changer meilleur l'autre fois encore capoter plus de détails pour nous. Position APCH qui s'est associée à ce propriétaire chauffeur d'Haïti et ni secteur transporteur haïtien STTH qui moi-même me coiffé, mais nous chita avec près de 18 syndicats qui fait partie de secteur transporteur haïtien plus APCH va diriger. Position nous pas changer. Position nous qui s'allie c'est gouvernement pour penser à moun yo qui pi mal yo.
folie réviser course là à la baisse. C'est position nous et nous kembeli pas gars sorti de là position nous pas changé réviser prix gaz là et ni prix course là tout parce que pas oublier course de course là c'est anarchie depuis 2018 affaire sociale de chita avec syndicat parce que même de tout ça monde qui connaît chita pour foutre course machine c'est syndicat affaire sociale yo connaît vite ministère commerce ministère finance là comme observateur mais monde qui vraiment fait travail ça c'est affaire sociale avec syndicat avec direction circulation qui connaît chita ensemble qui prépare qui fait jambe de dollar qui fait stratégie jambe de dollar nous prenons nous faire avec des toits et puis nous chita en consensus et puis nous fixer course. Et moment n'a parlé avec là toute course dans pays d'Haïti anarchie quelque motocyclette quelque machine c'est chaque monde n'est pas fixé course selon lui-même ça qui pas doit faire et dans toute société qui fonctionne normalement et nous même nous trouver ça c'est anarchie qui pas doit faire. C'était syndicaliste changer mieux un chapitre migration corps spécialisé dominicain sécurité sous frontière entre Haïti et République dominicaine yo plus connait son nom Cesse Fonte dit li arrêté dans dernier jour ça yo 57 natifs natal haïtiens li te joine sans papier dans plusieurs hôtels Comendador, province Elias Pina, pas trop loin, frontière Belade, Haïti. Avec la politique gouvernement de facto a mené yo, Kishita sou menti à gaspillage. L'agent l'État yo, pour ça pas nécessaire, pays d'Haïti a continué entrer pifon, dans une situation côté tout prix yo a persisté monter grade division sans garder derrière, c'est disons économiste Edi Labossière sous Alter Presse et Alter Radio. En koutil. Nous sommes dit à l'heure, vous augmentez bagala 128%. Et que l'augmenter, c'est un produit transversal. Tout le monde n'a pas le prendre 128%. Donc, tout servi avec les produits pétroliers. Mais l'impression déjà là, c'est évident. Ça dit que si nous n'avons pas à fond, j'en ai ajusté le salaire, nous n'avons pas à vivre avec le salaire qu'on a eu, que ce soit pour le secteur sous-traitance, que ce soit n'importe quelle branche d'activité, la vie deviendrait invivable. Donc, on entre dans l'espace là, côté nous n'avons pas à vivre dans la misère correctement. Et maintenant, le rapport, c'est une institution qui travaille sur ça. Pour dire combien de monde qui est en pauvreté en Haïti. Pape saisit sur 12 millions d'Haïtiens. Dans quelques mois, on a besoin de 10 millions en situation de pauvreté, d'extrême pauvreté ou d'urgence alimentaire. Il y a une hyperinflation. C'est ça lié. Et son inflation qui non seulement est importée, mais provoquée à l'intérieur tout, parce que le gouvernement va être obligé d'augmenter tout côté ça, subvention que l'on va supposer qu'un bilan maintenant, c'est gaspiller ou pas gaspiller dans l'État. Il n'y a pas d'instrument. Comment ça se passe? Ils n'ont pas d'instrument. Pour dépenser l'argent, ça. L'instrument aurait été le budget. Mais j'ai un budget à outils, il ne va pas permettre de servir avec. Il ne va pas permettre d'assez. Donc, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas l'argent pour fonctionnement. Et comme c'est un gouvernement intérimaire, le plus souvent, gouvernement intérimaire en Haïti, dans le domaine de la corruption, est champion. Ah oui, champion. Et tout le monde compte ça. C'était économiste Edi Labossière. Dans le chapitre économie, après deux mois campé, pas travail, avec la manifestation contre le gouvernement de facto Ariel Henry, activité yo recommencé lundi 14 novembre 2022 nan Paka Factory Usine Caracol yo département nord-est pays d'Haïti. N'a rappelé responsable PAC industriel Caracol yo té forcé fermer porte yo à cause diverses manifestations en série qui t'a fait nan mois passé a pour demander démission premier ministre de facto Ariel Henry ça qui était empêché bon fonctionnement PAC là et puis qui t'a paralysé toute activité. Toujours dans le chapitre économie, depuis deuxième semaine, mois novembre 2022, activité dédouanée marchandise commencé reprendre petit par petit pas dans la douane à Port-au-Prince-Lan d'après l'administration générale la douane dans le pays d'Haïti. C'est depuis mercredi 9 novembre 2022, douane à Port-au-Prince-Lan recommencé à fonctionner, plusieurs centaines de conteneurs déjà livrés dans le Caribbean Port Service, la douane ak nan pour Lafito pou kounya dossier commercial yo en priorité nan bataille kap menen pour livrer plus vite possible produits réfrigérés yo ak produits qui capable péri yo c'est ça plusieurs sous ça t'expliqué nan journal le nouveliste. Dans le chapitre la justice, association professionnelle magistrat yo ak organisation citoyenne ak citoyen pour l'autre Haïti, yo chak bon côté pa yo bat bravo deske gouvernement de facto a l'omé juge Jean-Joseph Lebrun comme président la Cour cassation pour remplacer juge René Sylvestre qui était mouri depuis date 23 juin 2021. Jean-Joseph Lebrun tout vin président conseil supérieur pouvoir la justice là, yo plus connaît son nom CSPJ.
Dans un communiqué limité d'ailleurs, APM fait qu'on est nomination ça, c'est un pas important pour fonctionnement régulier la Cour cassation et puis libre résoudre dysfonctionnement CSPJA qui c'est organe qui en charge contrôler discipline et délibération pouvoir judiciaire. Sous bon pali plateforme organisation Cap défendre droit moun yo POHDH dénoncé façon Premier ministre Ariel Henry nommé juge Jean-Joseph Lebrun comme président la Cour cassation parce que Premier ministre là pas gain compétence pour l'état nommer un juge. En plus, la Cour cassation pas existé parce que gen seulement 3 juges qui rete. Secrétaire exécutif POHDH la Alermi Pierre Vilus rete quoi décision ça c'est une tentative pour domestiquer pouvoir judiciaire. En côté secrétaire exécutif POHDH la Alermi Pierre Vilus cap pote plus détails pour nous. Premier ministre a pas même gen compétence pour ta nommer des juges. Donc c'est ça que fait dénoncer et Jean yoté meton CSPJ en marge de la loi, parce que le Premier ministre n'a pas gagné compétence. Là. Deuxième considération qui est importante pour nous faire sur question ça, c'est que la Cour de cassation n'a pas existé. Il n'a pas existé parce qu'il y a seulement 3 juges dans la Cour de cassation. Donc, démarche-là, d'abord, c'est à penser à recomposition de la Cour de cassation. Donc, comment le Premier ministre est capable de nommer un président dans la Cour de cassation alors que la Cour de cassation n'y va exister? Il y a seulement 3 juges. Donc, l'autre considération importante, qui est fondamentale pour nous, c'est que nous face à un gouvernement de facto qui décrié, qui n'a pas gagné aucune légitimité. Donc, un Premier ministre n'est pas capable en aucune façon poser une action comme ça pour le nommer président de la Cour de cassation. Donc, ça, sont tentatives pour vassaliser un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Là. C'était secrétaire exécutif à POHDH, là, Alermi Pierre Vilus. Directeur exécutif réseau national Cap défendre droit moun yo, Pierre Espérance, diligent pile qui a sauté pour Jean Liwe, juge Jean-Joseph Lebrun, qui fait carrière li dans système la justice la accepté vin président la Cour cassation une décision qui illégale et puis qui inconstitutionnelle en côté directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance qui a porté plus de détails pour nous. Malheureusement et je dis à lui accepter vin en dehors la loi et en violation avec constitution illégalement lui accepter vin et il a accepté vin président pour cassation. Bon, tout le monde connaît et qui est-ce qui a nommé juge dans la cassation. Comme il était déjà juge dans la cassation, et bien pour vin président pour cassation, c'est exécutif là, c'est président de la République là, c'est pas un premier ministre. Il faut que nous reconnaître que le docteur Ariel Henry qui est nommé par Jovenel Moïse, si il reconnaît peut-être que il est nommé constitutionnellement, et si c'est ça, selon la constitution, il a 60, article 149 constitution, il a 60 à 120, jusqu'à 120 jours pour lutter, organiser élection. Bon, il n'est pas organisé élection et je dis à gagner un mandat et normalement, on série des décisions, on va engager l'État pour une série des décisions alors que les décisions ça a été doué, fait son base un accord politique avec une femme, un garçon qui ont fait des routes qui dit mais qui combien de temps transition a duré et mais qui ça n'a fait dans la transition là. Et donc Jules Lebrun qui fait carrière dans le système là lui accepter lui-même et inconstitutionnellement pour lui juge dans président pour cassation et pas oublier président pour cassation là, c'est lui-même tout qui président CSPJA qui donc et dans sens ça l'air ou accepter nous grand pile inquiétude que il a accepté une président de cassation en violation avec la loi et qu'il n'a pas servi avec lui et pour lui avoir un comportement docile et puis pour pouvoir continuer et mettre pied sur la justice. C'était directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance.
Actualité internationale là à collaborateur non Kervins Adam Paul. Dans le pays États-Unis, c'est gros qui a contact réjouissant ce dimanche là la caille démocratio, le fait que yo gardé contrôle le Sénat américain, hein, yon résultat qui la cause gros bouche l'ouvri dans camp rival républicain yo. Toujours dans le pays États-Unis, 6 moun a mouri dans collision avion qui l'a depuis deuxième guerre mondiale samedi a pendant un spectacle aérien dans Dallas dans Texas d'après sa yon élite locale annoncé dimanche là. Yon bombardier Boeing B-17 Flying Fortress ak yon chasseur Bell P-63 King Cobra fait collision pendant yon ap volé dans après-midi samedi a, c'est ça régulateur aviation FAA te annoncé quelques temps avant nan yon communiqué. D'après médecin légiste comté Dallas la, gen yon total 6 moun ki mouri nan accident sa ki rive pendant spectacle aérien Wings Over Dallas. D'après sa Clay Jenkins, qui s'est éli dans tête comté Dallas la, déclaré sous Twitter. Autorité yo pral continuer travail jodi a sous enquête la et puis pour yo identifier moun ki mouri yo, c'est ça li te précisé. Collision sa rive sous ti aéroport Dallas Executive pendant un spectacle avion militaire qui l'a depuis année 1940 qui était organisé dans cadre week-end férié manche longue 11 novembre là. L'autre nouvelle, pays États-Unis, Japon et Corée du Sud promettent dimanche là pour y avoir une réponse ferme et puis fort si au cas pays Corée du Nord a fait essai nucléaire, yon premier depuis année 2017, yon hypothèse qui retourne dans l'actualité après yon série essais armes Pyongyang te fait. Après yon rencontre trilatérale yon te fait, dirigeant trois pays yon publié yon communiqué ensemble. Dans communiqué ça, président américain Joe Biden dit li prend engagement pour lui déployer toute capacité li, même capacité nucléaire pour lui défendre allié li yo. Emmanuel Macron arrivé lundi 14 novembre dans sous-île indonésienne Bali pour sommet G20 qui rassemblait plus gros économie mondiale yo d'après sa journaliste AFP constaté. Avion présidentiel atterri bo 8h GMT yo dans l'aéroport international Bali après 18h d'un vol sorti Paris. Dirigeant G20 yo après réuni mardi ak mercredi pour première fois depuis commencement offensive russe dans Ukraine 24 février. Président russe Vladimir Poutine ap grand absent, li toutefois dépêché sous place ministre des Affaires étrangères Lan Sergey Lavrov. Président français Emmanuel Macron pral continuer parler ak homologue russe Vladimir Poutine qui se grand absent sommet G20 Bali. Il a prédé après réunion ça d'après ça Élysée fait connaître lundi 14 novembre. Président Recep Tayyip Erdogan rive sous île indonésienne Bali yon jour après attentat à Istanbul qui la cause 6 moun mouri. Joe Biden et Xi Jinping rencontré lundi 14 novembre ça qui c'est premier depuis élection président américain côté la chercher rejoindre dialogue malgré tension yo qui si tout vive concernant statut Taiwan. Des dirigeants ont été serrés la main dans un hôtel sous île indonésienne dans Bali un jour avant sommet G20 dans commencement yon chita parler qui était fait sous un pile sujet qui gen la dan refi chinois pour condamner invasion russe dans Ukraine commerce droit moun dans Xinjiang mais tout Corée du Nord. Conseil droit moun Nations Unies annoncé lundi l'a fait une session urgence 24 novembre sous situation Iran depuis plusieurs semaines a fait face à gros manifestations. Conseil a indiqué session spéciale ça consacré à détérioration situation droit moun Iran côté il fait suite à une requête Allemagne et tout Islande dans sens ça plus passé un tiers dans 47 pays membres qui approuvé. Et puis chef suprême taliban Hibatullah Akhundzada pays Afghanistan by Lord Ajijo pour appliquer tout aspect dans loi islamique là parmi yo exécution publique lapidation flagellation ou bien tout couper partie dans corps volé d'après sa porte-parole taliban yo rapporté.